Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue pour un épisode de Fallout 4. Donc chers amis, j'ai modifié quelques petites choses, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va fonctionner aussi. J'espère que ça va pas trop bouffer de ma RAM, j'ai 16 gigas. Oh, c'est normal la lumière. Oui, sans doute. Sans doute, sans doute. Faudrait que je pense à rajouter une texture pour ce putain de véhicule. De Pip-Boy, pardon. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche! Alors, normalement, le sol est censé être beaucoup plus réaliste qu'autrefois. Et nous étions donc devant le camp qui a embêté l'asile. Le voici. Et y a-t-il du monde? Y a-t-il un petit peu de monde à ce camp? Ou dans ce campement? Alors, moi, niveau son, j'entends pas des masses. Alors, un instant. Heureux. Peut-être que ce sera mieux comme ça. Ah oui, j'entends bien Canigou. Je ne vois rien là-dedans. Je ne vois pas le moindre ennemi. Hein. Ce qui, je l'avoue, m'intrigue. Alors, est-ce que ça se passerait en intérieur? Ça, Canigou, tu m'as foutu les boules. Alors, on n'a plus beaucoup de munitions, ici on n'en a pas des masses non plus, là on en a un petit peu mais pas énormément. Au niveau du sniper on en a un paquet, là on en a un petit peu, là on en a un paquet, ça c'est cool. Ah. Allez, t'avais promis que tu m'en donnerais. T'avais promis, gna gna gna. Merde, c'était quoi ça? Liquidez-les! Et de 1. Canigou? Alors. Bien joué, Canigou! Canigou, dégage! Putain. Canigou! Pas touché du tout. Ok, je l'ai eu. Hop! J'espère juste qu'on n'a pas réveillé une quelconque bestiole. Canigou, remets-toi. Sérum mystérieux. Oh! Radiation moins 36 000! Wouah! La gueule! Par contre, on est en train de perdre au niveau de notre réacteur à fusion, on est en train de perdre le nombre de. Enfin, notre autonomie en fait, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors, ouais, effectivement, je pense que le mode fonctionne extrêmement bien. Et les sols sont beaucoup plus nets qu'avant. Beaucoup plus beaux. Oh, un coffre. Un coffre fort. Avancez. Hop les, on l'a eu. Joli. Une antigel, pourquoi pas. Capsule, capsule. Colmira, colmira, grenade. Hop, hop, hop. Ok. Allez voir en haut ce qu'ils y faisaient. Que la dernière est pour moi, la dernière est pour moi, je suis curieux de savoir de quoi il parlait. What? Oh putain! Touché. La dernière est pour moi, la dernière est pour moi. Je sais que dans une fusée miniature, normalement, il y a de l'aluminium dont j'ai besoin. C'est quoi ce bordel? Merde! Séparez-vous et allez voir ce qui se passe! Ah. Apparemment, on n'est pas tout seul.
Alors. Oh, bonjour. Vous ne me trouverez pas. Sors de là. Ce sera rapide. Promis. Vous ne me trouverez pas. Ça sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini. Rien de personnel. C'est juste toi et moi. Hop. Oh putain, pourtant quand je vois les impacts que je fais au sol, je me dis que... Qu'est-ce que j'ai? J'ai des grenades frag. À terre, à terre. Touché personne. Touché quelqu'un. Il est cassé. C'est rien, rien du tout. Allez, sors. J'ai rien senti. Hop, bonjour. Raté, touché. Merde. Comment je fais pour revenir? Non. Je vais tirer droit, pauvre naze. Comment tu m'as dit? Comment tu m'as appelé, pauvre naze? Le mec il a cru quoi. Réduit les dommages des ghouls. Le mec il a cru. Pauvre tâche. Non mais... Lol. Ok. Retournons à Parson. Hop. Par contre ça me fait chier pour mon armure qui va bientôt tomber en rade. J'espère que j'ai un réacteur à fusion sur moi. Sinon ça pue le cul. Alors. What? Ok. Oh. Ouais, je vais l'arrêter là. Hop. On la reprendra puis on la ramènera. Ensuite. J'imagine qu'Edouard savait ce qu'il faisait en vous en... Par contre, on est full de chez full. On a de la bouffe. Hop. Un petit peu de chips. En tenue, est-ce qu'on a de la merde qu'on peut virer ou pas du tout? 300, 125, et bah tiens, 125, on jette. Ah la vache, ça joue à rien. Bah écoute, on va virer un ragoût d'iguane. Pauvre ragoût. Et le steak irradié. Le sang irradié, pardon, le steak d'écorcheur, je le garde. Le steak de râteau, je peux en virer un ou deux. Voilà. Bonjour. Vous feriez mieux de vous grouiller de rapporter le colis à Cabot House. Edouard est pas aussi patient qu'il en a l'air. Bien madame, oui madame, certes madame. Hop. Cabot House, c'était là. Ok. Moi j'ai envie de rentrer dans l'asile de Sheldon. Sheldon Cooper. Alors, vous faites plus de bruit en concourant qu'en marchant. D'accord. Alors on va pouvoir voir au sol si c'est mieux ou pas. Ça va se voir tout de suite d'après ce que j'ai vu sur les skins, sur les images en tout cas. Donc c'est principalement un reskin, hein, un reskin HD de tout ce qui est paysage que j'ai installé en gros mode là. Effectivement, on sent que c'est pas comparé à au reste, on sent que c'est pas naturel. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup plus de... Ah non, ça semble pas beaucoup mieux. Hein. Falloir que je revoie ça. Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça ne l'est pas? Falloir que je revoie ça.
C'est marrant. Kenigou. Hey. Attends, mes modes fonctionnent. Hein. J'aurais presque un doute en fait. J'aurais presque un doute. Presque. C'est inacceptable. Imogène a disparu. Je veux qu'on la retrouve. Elle n'a pas Hop, disparu. Un instant. Apparemment, c'est vraiment, vraiment moi. Non, mais ça ne veut pas Elle dire a que... disparu. Et je veux qu'on la retrouve. Je croyais qu'Edouard était censé veiller sur cette famille. Je serais heureux d'envoyer quelqu'un à sa recherche, madame. Ce n'est pas... Mère, Edouard a mieux à faire que d'envoyer quelqu'un à la recherche d'Imogène. Une fois de plus. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce qui pourrait arriver à Imogène. Et c'est une torture. Je ne vais pas demander à Edouard de s'occuper d'Imogène, toute affaire cessante, alors que nous savons tous qu'elle s'est encore enfuie avec un nouvel amant une fois de plus. D'accord. Jack, comment oses-tu parler de ta sœur de cette façon? Vous avez découvert ce qui était arrivé au coursier. Oui. Des pillards près de Parsons. Des pillards ont dressé un campement près de Parsons. Ils lui ont tendu une embuscade. J'ai réglé le problème. Des pillards si près de Parsons. Je n'aime pas ça. J'espère que ce n'est pas le premier d'une longue série d'incidents. Et le sérum qu'il devait livrer. Ah, il y a un problème, non? Récupérer. J'en ai trouvé. Donnez le sérum. Donnez le sérum. Il ne restait qu'une seule fiole. La voilà. Bien. J'ai eu peur que toute la cargaison soit perdue. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau des ombres voilà du jeu. Paiement. J'ai ajouté une petite prime pour le sérum que vous avez sauvé. C'est sympa. C'est du bon travail. Pour ce qui est de la suite. Oh, et puis après tout, je crois qu'il est temps de vous présenter Wilhelmina. Jack va être furieux, mais bon. Venez. Ok, merci, je présume. Nous en avons déjà parlé, mère. Pourtant, tout semble fonctionner, et pourtant, au niveau des lumières, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Imogène est perdue dans la nature. Peut-être même est-elle déjà morte, étendue dans un fossé. Et toi? Ça ne te fait rien. C'est une adulte. Elle est parfaitement capable de se débrouiller seule. Gars. Yeah. Jack, je m'en charge. Ne vous en faites pas, Madame Cabot. Je vais envoyer quelqu'un à la recherche d'Imogène. Merci, Edouard. Je sais que je peux toujours compter sur vous. Si seulement tu étais. C'est moi qui vais faire le boulot. Cher Edouard. Ah. Oh, pardon. Vous ne devriez pas entrer dans son jeu, Edouard, sans quoi elle n'arrêtera jamais de faire les caprices. Je ne fais que mon travail. Mais je l'avais récupéré, le flingue. À ce sujet... Où est-ce... Je l'avais... Eh, on est d'accord, je l'avais récupéré. Mais il est là. Dis tout ce qui a pu être sauvé de la dernière livraison en provenance de Parsons. Les pillards ont presque tout pris, je le crains. Ah, enfin, parfait. Voilà qui devrait calmer Mère pour quelque temps. Et moi, j'ai la sœur de Jack. Mais ça... Vous l'aviez sûrement déjà compris. Oui, plutôt, oui. Elle est un peu... frivole. Impulsive. De temps à autre. Elle s'enfuit avec un nouveau petit ami. Je vais réinstaller les modes après, il y a un truc qui va pas. D'envoyer quelqu'un pour la ramener à la maison. Je la ramènerai, c'est facile. Facile. Ça a l'air facile. Je ne sais pas où elle est allée. Mais je connais l'endroit idéal où commencer vos recherches. Dis-moi. Elle passe beaucoup de temps à Good Neighbor. Il y a un club de jazz qu'elle adore là-bas. Le troisième rail. Quelqu'un pourra sûrement vous renseigner là-bas. Elle n'a jamais brillé par sa discrétion. Et si elle refuse si de rentrer? Elle refuse de rentrer à la maison. Elle fait partie de la famille. Il est donc hors de question de la tirer jusqu'ici par les cheveux. Elle se lasse souvent très vite de ses petites aventures. Le temps qu'on retrouve sa trace, elle est généralement prête à rentrer gentiment. Je suis sûr que vous trouverez les mots. Je suis censé pouvoir compter sur vous. Vous vous rappelez? Oui, oui, de ce côté-là, y a pas de problème. Alors, je vais réinstaller mes modes et je reviens. Hop. Sauvegarde complète, au cas où. Et on y va. Heureux, chers amis. Alors, on va faire un essai tout de suite. Ça va être rapide. On va le voir tout de suite. Hein. C'est imminent, je pense. Comme changement. Bah, je ne le vois pas. Bah, peut-être... Un peu plus de... Ah si, c'est peut-être un petit peu plus sombre. Si, si, c'est un peu plus sombre, je crois. Bon, on verra bien. Ok, donc faut aller chercher Imogène, je crois. Imogène. Jack n'a vraiment aucune considération pour sa sœur. Bonjour. Pourquoi Imogène m'a-t-elle fait une chose pareille?
un nom qui me rappelle beaucoup l'actrice Imogen Poots, si je ne me trompe pas, qui joue superbement bien son rôle dans le film Need for Speed. Bon, après, c'est une polémique, hein, le film est... Moi, je trouve que le film est bon, c'est clair qu'il n'a pas apporté vraiment le nom Need for Speed. Cependant, le film est vraiment bon en lui-même. Hein. Certes, la licence, le fait de porter le nom de la licence n'est peut-être pas la meilleure des idées qu'ils aient eues, mais franchement, je n'ai rien à dire face à ce... Simplement face à ce film. Hein. Vraiment excellent, je trouve. Alors. Alors. Ah. Bien le bonjour. Ah, là par contre, il y a peut-être une différence. À vous de me dire si vous voyez une différence. Accès interdit. Donc, Neighborhood. Eh bien, allons-y. Good Neighbor. Putain, pourquoi j'ai envie de dire Neighborhood à chaque fois? Consiste spécialement à prêter un membre coupé sur un cadavre d'écorcheur, le gantelet d'écorcheur permet de lacérer les ennemis en leur infligeant des dégâts considérables. C'est vrai que ça a l'air stylé. C'est le Wolverine Tripack. Ça fait mal. Service 3 pièces de Wolverine. Je fais pas de dessin. Ouais. Yo. Théo. J'ai une arme pour chaque situation. Troqué. Voyons ce que vous avez là. Meurtre et dés. Alors, qu'est-ce que tu as à me proposer? Si je te propose moi en échange. Bah, je vais te le. 70, c'est tout. Je te vends ça. J'ai deux grenades cryogéniques, mais je vais les garder. J'ai une mine à impulsion, je te la vends. Cocktail Molotov, je vais les garder aussi. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as à me vendre? Bout en train. Ça aurait pu être intéressant, mais non. Scattergun. Pourquoi il s'appelle Scattergun? Ça peut être intéressant. Épée d'officier chinois, non. Bon, au niveau des armes, c'est pas top. Hein. Ça pourrait être cool à voir. Je pense qu'on fera peut-être un épisode avec une armure uniquement comme ça pour voir ce que ça donne au niveau de tout le reste. Bon. Alors, tu me donnes quelques munitions, ma grande. Hop, voilà, c'est fait. Merci. Quoique, non, attends, j'ai peut-être des... J'espère que vous allez acheter quelque chose. D'autres trucs à te vendre. Attends. D'accord. Votre vie est en... Au niveau de mes... Oh. Cette... En bric-à-brac, non, mais divers, voilà. Non, pas encore. Voilà. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 1. Radix, c'est bon, ça je garde. Les différentes viandes, je les garde. Ok. Bon, vas-y, je te pique tout le reste, c'est pas grave. Et garde la fin. On dirait qu'il y a un nouveau phénomène de foire en ville. Bienvenue à la maison. Allons voir, allons poser quelques questions. Si vous commencez à faire du grabuge, je vous jette dehors, compris? Hop. Des munitions. Bon, ouais, jette-moi dehors si tu veux, c'est pas grave. Allons-y. Eh, vous voulez un truc pour oublier vos soucis? Allez voir. Ok. Problème de rat. Imogen Cabot. Vous connaissez Imogen Cabot? Ça me dit quelque chose. Nana un peu cinglée, c'est ça?
pas vu depuis un moment. Demandez à Magnolia. Elle a le truc pour sympathiser avec les gens. Magnolia, il y a quelqu'un qui veut te parler. Oh, ça l'arrête. Cool. Oh. Vous sentez ça? C'est le parfum de la liberté. Salut Magnolia. Avant de te parler... Magnolia. Contente de vous revoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, t'as pas idée. Vous croyez que je pourrais vous kidnapper? Le temps d'une soirée? Je suis... Oh, dommage. Imogen Cabot. Vous connaissez Imogen Cabot? Imogen? Bien sûr que je la connais. Je l'ai pas vue depuis un moment, par contre. C'est une amie à vous? Où est-elle? Vous savez où je peux la trouver? Ça dépend. Qu'est-ce que vous lui voulez? J'essaie de l'aider. J'essaie juste de l'aider. Vous savez où elle est, oui ou non? Pas besoin de s'énerver. J'ai pas l'habitude d'échanger des ragots avec tous les clients qui rentrent dans le club. Oh, ça va, je suis pas rentré que dans le club, si vous voyez ce que je veux dire. Où est-elle partie? Vous savez où elle est partie? Il y avait ce prédicateur qui venait tout le temps au club. Le genre collant. Il arrêtait pas de parler de refaire sa vie et je sais pas quoi. Mm-hmm. La plupart des clients faisaient comme s'il n'existait pas. Mais Imogen s'est accrochée à lui comme une folle. Comme à chaque fois. Faut avouer qu'il était plutôt beau gosse. Ténébreux, vous voyez le genre? Ouais, je vois très bien. Tu le trouves Salut. Irrésistible. Am, tu peux venir une minute, s'il te plaît? Am? Un problème, mademoiselle Magnolia? Du tout. Ce charmant monsieur cherche Imogen. Tu sais d'où il venait, le prédicateur qui passait du temps ici? Frère Thomas. Oui, c'est ça. Imogen était toujours accroché à ses basques. On a dû le mettre dehors. Il n'arrêtait pas d'importuner les clients avec ses histoires de salut de l'âme. Je te il comprends. Il disait à tout le monde de le rejoindre à Back Bay. Et il laissait toujours traîner ses fichus prospectus partout. Tenez, j'en ai gardé un. Au cas où il n'aurait pas payé sa note. Merci, mon chou. C'est très bien. C'est toujours un plaisir, mademoiselle. J'espère qu'Imogen va bien. J'étais pas vraiment rassurée de la voir partir avec ce prédicateur. Je vais voir ça. Alors, où c'est que ça se passe? La fosse, ça, il fallait que je m'y rende. Amphithéâtre Charles Hugh. Ah, putain! Les malades mentaux. La haute société... Alors que la société n'existe pas. Elle n'existe plus. Alors. Allons y faire un tour. Alors. C'est parti. Alors. Elle est vraiment belle cette tourelle, hein. Peut-être un petit peu trop brillante. Peut-être un petit peu le seul défaut du jeu, c'est que les choses sont peut-être un petit peu trop brillantes. Le brillant, ça fait 9, je trouve. C'est parce que c'est ce que j'en pense moi, après vous pouvez penser à autre chose, chers amis, hein. Bien sûr. Alors, par contre, quand t'es vous tire dessus, ça doit faire mal. Ouais. Alors. Oui, donc le mode est bien installé, vous voyez, c'est un peu plus vert. Au sol. Cherchons l'Imogen avant de chercher le mec. Bienvenue. Conscrit. Vous êtes là pour en apprendre davantage sur notre mouvement? D'accord. J'espère que vous avez décidé de rejoindre les piliers de la communauté. Conscrit. Bonjour, collègue. Bonjour. En fait, ils s'habillent juste et ils se mettent genre... en super tenue pour qu'il se la pète, quoi, en fait. C'est juste ça, quand on voit l'aria boutique, entre guillemets. J'espère Bienvenue, collègues. Nous nous réjouissons toujours d'accueillir de nouveaux membres. Venez par ici et je me ferai un plaisir de vous en dire plus sur notre mouvement et vous expliquer comment le rejoindre. Je cherche Imogen Cabot. Oh, je m'excuse, mais Imogen est indisposée. Elle ne reçoit aucune visite pour le moment. Je dois... La voix. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. Elle va bien, je vous l'assure. Elle veut juste garder la chambre pour l'instant. Bien que ça ne vous regarde en rien, elle et moi avons quelques problèmes de couple. Vous savez ce que c'est. Elle ne verra personne tant qu'elle ne sera pas calmée.
Elle est prisonnière, clairement. Je la verrai d'une façon ou d'une autre. À vous de voir. Je crains que vous ayez mal choisi votre adversaire. Oh, il me l'a mal envers. On va recommencer. Je la verrai d'une façon ou d'une autre. À vous de voir. Je crains que vous ayez mal choisi votre adversaire. Vous allez D'accord, et il m'attaque. Donc non, ça m'intéresse pas qu'il m'attaque. Par contre, si les menaces passent pas... Je la verrai d'une façon ou d'une autre. À vous de voir. Je crains que vous ayez Non, j'ai pas lui proposer 500 pixels, c'est mort. Je la verrai d'une façon ou d'une autre. À vous de voir. Eh, hey, je croyais qu'on était amis, moi. Et vous, vous montrez les dents? Ouais, t'as pas si idée. Si vous tenez tellement à la voir, je ne vous en empêcherai pas. Tenez, je vais vous ouvrir la porte. Ouais, vas-y, ouvre. Et dépêche. Dépêche, j'ai dit. Tu vas le bouger, ton fion? Bonjour, collègue. Avance. Je le sens pas. À vrai dire, je pense que quand on va être derrière... Attends, voir... Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres. Il l'a enfermé là? Tu te magnes. Vous allez crever. Conscrit, vous allez crever. Elle est à vous, collègue. C'est Jack qui vous envoie. Casse-toi. Votre âge. Alors, j'ai un bug d'interface. Vous êtes la sœur de Jack? Je m'attendais à quelqu'un de plus jeune. Vous savez parler aux femmes, vous. Au cas où vous ne le sauriez pas, je suis la sœur cadette de Jack, la petite dernière de la famille. Oh putain. Dès que je serai rentrée à la maison et que j'aurai pris un peu du sérum de Jack, je retrouverai toute ma splendeur. What? Un sérum de jouvence? Jack, un sérum qui inverse les effets du vieillissement? Disons que ça stoppe le vieillissement, plutôt. Comme j'ai commencé à en prendre à 32 ans, c'est l'âge que je suis censée avoir en temps normal. Vous verrez la différence quand j'aurai pris mon traitement. J'étais considérée comme l'une des plus belles fleurs de la haute société de Boston. Quand elle existait encore. Et si vous n'en trouvez pas? Qu'est-ce qui se passera si vous ne mettez pas la main sur une autre dose? Oh, ne vous en faites pas pour moi. J'ai déjà connu des périodes bien plus longues sans prendre le traitement, et il n'y a jamais eu d'effet permanent. Impatience. Si vous le dites, bon, on peut y aller maintenant. Qui vous a dit de venir mettre votre nez dans mes affaires? Pas moi, c'est certain. Vous n'êtes pas très reconnaissante. Vous pourriez être un peu plus reconnaissante? Je vous ai quand même sauvée. Oh, Thomas aurait bien fini par me libérer. Mais j'en avais assez d'attendre qu'il retrouve la raison, alors. Merci. Je commençais à en avoir assez de Thomas, de toute façon. Il était si captivant au début. Mais après notre arrivée ici, j'ai réalisé qu'il n'était qu'un rustre, comme les autres. Il pensait qu'il finirait par me convaincre de rejoindre sa secte ridicule. Partons d'ici. Ne vous en faites pas, je connais le chemin de la maison. Je ne suis pas prête à affronter Mère tout de suite. Et... merci de m'avoir retrouvée. Je n'avais pas vraiment besoin d'aide, mais quand même, j'apprécie le geste. Bienvenue. Pourquoi l'autre, il arrête pas de dire « Vous allez crever, vous allez crever, vous allez crever. » Vous voyez? Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez dire à Mère que je serai bientôt à la maison. Ok, j'y vais. De ce pas. J'y vais de ce pas. Si un combat semble compromis, essayez de rengagner votre arme. Il n'y a plus une chance que votre adversaire décide de vous pardonner. Oh bah dis donc. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Là, je l'avoue, je m'y attendais pas du tout à celle-là. Rangez votre arme, après tout, il va peut-être arrêter. Oui, oui, c'est pas comme si vous aviez 12 000 capsules sur vous. Comme le roi des fongeux, l'écorcheur caméléon. L'écorcheur caméléon, les robots sentinelles peuvent avoir recours à la fluidité pour devenir presque invisibles et attaquer leur proie par surprise. Oh la gueule! Écorcheur caméléon! Putain! Ça va être une saleté ce machin-là. What?
Ok. Copain ? Avertissement, je vous observe. Putain, il est en veille ? Close interdite. Qu'est-ce qui lui arrive ? Étrange, étrange, étrange. J'aime pas ça. Il se serait fait attaquer ? Recommencez, je crois que la réception s'améliore. Edouard ! Oh putain ! Où est les magoules préférées ? Edouard, oh mon Dieu. Activez le modulateur. Ce jour est arrivé. Vous me recevez ? Ce jour est arrivé. C'est mieux. Oh, 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 oh. Ça y est ! Edouard, dites-moi ce qui se passe. On nous attaque. Ils ont pénétré à l'intérieur du bâtiment. Oh putain. À l'intérieur ? Est-ce que vous pouvez les empêcher d'accéder au sous-sol ? J'essaie, Jack. C'est la première fois que je vois des pillards. Mon Dieu, Sammy, la porte ! Là ! Excusez-moi, c'est vraiment le chaos ici. Écoutez-moi bien. S'ils sont à l'intérieur, vous devez aller dans le bureau et couper l'ascenseur. Ils ne doivent pas atteindre Lorenzo. Bien sûr. Bureau, ascenseur. Vous devriez réunir un maximum de gens et venir nous. Comment qu'elle se venge sur la bouteille ? Allô ? Edouard ? Répondez, Edouard ! Enfer ! Plus de signal, je l'ai perdu. Que se passe-t-il, Jack ? Si ces gens sont à l'intérieur de Parsons, s'ils le libèrent... Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. J'ai toujours su que ça finirait par arriver. Je n'aurais jamais dû te laisser emprisonner Lorenzo là-bas. Vous ne m'aidez pas, mère. Bon. Et utiliser le sérum était votre idée, que je sache, pas la mienne. Qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai dit que j'allais m'en charger. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qui se passe ? C'était Edward. Il était à Parsons, l'asile des affectés. Ouais, je suis au courant. Les pillards l'ont attaqué. C'est incompréhensible. Les gardes avaient toujours réussi à repousser les pillards jusque-là. J'ignore ce qui s'est passé. Ils ont une armure assistée. J'ai retrouvé Imogène. J'ai retrouvé Imogène. Elle va bien. Ah oui. Parfait. Dieu merci. Enfin une bonne nouvelle dans cette journée éprouvante. Tout travail mérite salaire, c'est bien naturel. C'est Edouard qui s'occupe de ces questions d'habitude. Vous utilisez bien des capsules en guise de monnaie, si je ne m'abuse. Tenez, j'espère que cette somme vous convient. Maintenant, passons à des affaires plus urgentes. Comment peux-tu être aussi désinvolte quand la sécurité de ta sœur est en jeu ? Je me demande si ces pillards sont ceux qui nous ont volé la dernière livraison. Sûrement. Si certains d'entre eux ont utilisé du sérum pur, non dilué, ça pourrait expliquer leurs exploits face aux hommes d'Edouard. Le sérum. À quoi sert ce sérum, exactement ? Après tout, il faudra bien que vous le sachiez un jour ou l'autre. Le principal bienfait du sérum est de stopper le processus de vieillissement. D'accord. Ma famille et moi-même avons plus de 400 ans. Il a également quelques effets secondaires. A fortiori, dans la forme non diluée que les pillards ont volée. Il augmente la force et la résistance à tout type de dégâts physiques. Nous pouvons donc penser que certains de ces pillards, si ce n'est tous, seront bien plus dangereux que ceux que vous avez l'habitude d'affronter. D'accord. La source du sérum ? Où est-ce que vous vous procurez ce sérum ? Mon père... Lorenzo Cabot est enfermé à Parsons. Il est devenu dangereusement instable après être entré en contact avec un artefact retrouvé dans la péninsule arabique. D'accord. Il a développé des pouvoirs qu'on pourrait qualifier de paranormaux. Et il est devenu de plus en plus violent et de moins en moins rationnel. À la fin, je n'avais plus le choix. Il a fallu l'enfermer pour sa propre sécurité, autant que pour la nôtre. D'accord. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée de lui dire tout ça ? Alors que je tentais de le guérir de ce mal, j'ai découvert que l'artefact avait introduit des anomalies dans son sang. La source de sa folie est aussi la base du traitement qui a prolongé nos vies. J'espère que vous appréciez toute l'ironie de la situation. Mais s'il venait à s'échapper de Parsons, je perdrais mon père pour toujours. Je vais tout faire pour empêcher ça. Sans oublier que l'artefact... En plus de lui conférer des aptitudes surhumaines, l'a rendu paranoïaque et extrêmement violent. Quelles aptitudes exceptionnelles ? Quelles aptitudes ? Force surhumaine, résistance à tout type de dégâts physiques. Oh, et une sorte de télékinésie très localisée qui semble projetée par l'artefact lui-même. C'est pour ça que j'ai installé un champ de confinement dans sa cellule, et que nous devons à tout prix arrêter ces intrus avant qu'il n'arrive à le désactiver. D'accord. Avant de partir, j'aimerais que vous compreniez une chose. Une fois à Parsons, vous devrez suivre mes instructions à la lettre.
c'est d'une importance capitale. Est-ce bien clair ? Pourquoi c'est si important ? Pourquoi c'est si important ? Si ces intrus ont déjoué les hommes d'Edouard, ils ont peut-être déjà libéré Lorenzo. Je suis le seul qui soit vraiment capable de l'affronter. Est-ce suffisamment clair ? Compris. Bien. Préparez-vous pour un combat acharné. Je vous attends dehors. Jack, fais attention. Et... essaie de ne pas le blesser. J'aime Père au moins autant que vous. Mais nous savons tous les deux que s'ils parviennent à le libérer, nous n'aurons pas d'autre choix. Je t'en supplie. Tu dois tout faire pour éviter ça. Je ferai de mon mieux, mère. Et si Imogen rentre enfin à la maison, par pitié, veillez à ce qu'elle reste ici jusqu'à mon retour. Je dois partir, le temps presse. Oh, que voulez-vous ? Bon. Eh bien, nous les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, nous faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesmed.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À demain pour un nouvel épisode de Fallout. Salut les gens.